Madame de Miossec. Dans cette vidéo, je décompose chaque partie. Et si vous regardez jusqu'au bout, vous serez capable de jouer la chanson en entier. J'ai même réalisé un arrangement pour que ça tienne juste avec une guitare et une voix. Vous pouvez l'entendre dans la version que j'ai enregistrée ici en cliquant sur le lien avec un chanteur qui s'appelle David et qui est passé à la maison. Donc cliquez ici sur la fiche. C'est une très chouette version. Et en ce qui concerne là, le son de guitare, ça démarre juste après ça. Salut, c'est Olivier de Guitariste Pro pour vous aider à progresser rapidement à la guitare avec des conseils d'un vrai pro. Ça fait 15 ans que je suis guitariste professionnel et j'ai créé cette chaîne pour rassembler tout ce que j'ai appris et vous aider à progresser rapidement et facilement à la guitare avec des conseils pertinents. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner parce que je publie au minimum un nouveau tuto chaque semaine. Déroulez le descriptif aussi parce que j'y reprends tout ce qu'on va voir aujourd'hui avec les tablatures et tout ce que j'ai pu oublier. On y va. Madame de Miossec, c'est assez facile à jouer finalement. Il n'y a pas beaucoup d'accords. Ça démarre avec un Do majeur. Et la petite astuce, c'est de jouer un additionné 9 ici. Donc c'est un Ré. Hein. Alors pourquoi est-ce qu'on dit additionné 9 ? Ben parce que c'est une note en fait qui est additionnée à l'accord, contrairement à un sus 2. Qui serait un accord suspendu où on remplace la tierce par la seconde. Donc ici, en fait, on a toujours la tierce, le Mi, et on ajoute une seconde, une neuvième, si vous préférez. C'est pour ça qu'on parle d'un accord additionné 2 et pas d'un accord sus 2. Voilà, petite parenthèse. Mais donc, ça démarre avec ça. Ensuite, on a un Mi mineur. Et on va garder cette petite, ce petit gimmick, hein, en rajoutant le Ré toujours, le Ré par rapport à un Mi mineur, donc c'est la septième, donc on a un Mi mineur 7. Ensuite on part sur la mineur sus 4, là pour le coup, on vient à la mineur, voilà, et on va répéter ça. Donc ça c'est la première, 4 mesures d'intro, ce sont les 4 premières mesures d'intro et après le chant commence, on fait 2 tours comme ça et on arrive à la deuxième partie qui démarre avec un Fa, La mineur, Sol majeur, Fa majeur et on repart sur Fa majeur. Et donc, ça c'est la chanson. Après, la structure change un petit peu, mais ça il faut écouter, il faut juste adapter. C'est les longueurs qui sont un petit peu différentes, mais c'est aussi simple que ça. Ça n'empêche pas que la chanson est vraiment très jolie. Et à la main droite, moi j'utilise toujours un peu le même principe, c'est-à-dire que je joue en fait des doubles croches à la main droite. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Et il y en a certaines que je vais jouer, d'autres pas. Voilà, tout simplement. Donc c'est un peu à vous de trouver votre coup de main quoi là-dessus, mais il n'y a vraiment rien de particulier quoi. C'est sur le Do, oui, c'est vrai que je cale le Mi avec mon pouce. Voilà. Là, sur le Mi, évidemment, je vais jouer le Mi pour avoir des basses. Voilà, c'est à peu près tout. C'est tout même pour la chanson de Miossec. J'espère que ce tuto vous a aidé à apprendre à le jouer. Laissez-moi un pouce bleu si c'est le cas, si vous avez appris quelque chose. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du tuto, s'il y a des choses que je dois améliorer. Et dites-moi aussi comment vous êtes arrivé, vous avez réussi à l'apprendre. Et n'hésitez pas à m'envoyer votre reprise, le lien vers la version que vous avez fait. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner donc à ma chaîne et puis aussi à cliquer ici. J'ai un blog qui s'appelle Guitariste Pro qui est vraiment parallèle à ces vidéos et donc qui vous aidera aussi à progresser à la guitare avec plein d'articles. Donc vous cliquez ici sur la fiche et vous aurez directement accès à ce blog qui est plein d'infos qui vont vous aider à progresser et tout est gratuit. Rapidement à la guitare. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.
Ciao.